Bonjour Mathieu Kassovitz. Bonjour. On a le plaisir de vous recevoir pour le film Sparring de Samuel Jouy, qui est son premier film en tant que réalisateur, dans lequel vous jouez Steve Landry, qui est un boxeur semi-professionnel, qui ne peut pas vivre de la boxe, qui a son actif 33 défaites et 13 victoires, et qui galère un peu dans la vie, on peut le résumer comme ça? Oui, c'est un ouvrier du ring, c'est des gens qui ont voulu avoir, qui ont essayé d'avoir une carrière, qui n'ont pas réussi, mais qui continuent au quotidien et qui n'ont plus que ça pour vivre. Et donc, un jour, alors qu'il a l'entraînement dans une salle de boxe, on va lui proposer de devenir sparring partner. Pour expliquer à nos auditeurs, c'est d'entraîner une star de la boxe, là en l'occurrence un combattant qui s'appelle Tarek Mbarek. Il va accepter parce que c'est évidemment très bien payé, sauf que la première séance d'entraînement va être un petit peu compliquée. On écoute un extrait. Ce qui s'est passé hier, j'étais nerveux. C'est la première fois que je fais un sparring. Arrête, mec. T'étais pas là. J'étais nerveux. Mais tu peux compter sur moi, tu peux y aller. Quoi? Pour faire le sac? Le sac de frappe, j'en ai plein à la salle. Je suis pas un sac. Je suis un boxeur, tu vois, je prends des coups, mais je suis pas un sac. Par contre, j'ai un truc que t'as pas. Ouais? J'ai pris les KO. Je suis retourné sur le ring. Et je peux te dire un truc. C'est que toi, t'as peur. Tu t'es pas remis de ton KO. Je suis pas un sac. Est-ce que c'est une phrase qui résume bien le film? Oui, on peut pas traiter les gens d'objets. C'est pas parce qu'ils sont pas réussis que c'est forcément des échecs. Vous pratiquez le kickboxing depuis des années. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le scénario? C'est le côté sport de combat? C'est le côté film sur les numéros 1 et les autres? Non, c'est l'histoire d'un père de famille qui doit rester noble et transmettre de la fierté à sa fille et à sa femme, tout en étant dans une situation difficile, un peu comme nous tous. Vous diriez que c'est un loser, cet homme? Non, c'est pas un loser. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on n'est pas numéro 1 qu'on est un loser. Sinon, on est tous des losers. Mais 33 défaites pour 13 victoires, on peut se dire qu'il est passé à côté de sa carrière de boxeur, pour le coup? Non, sa carrière de boxeur, c'est 33 défaites, 13 victoires. Mais c'est plus de défaites que de victoires. Tout dépend de où vous placez. Si, je sais pas, vous êtes le présentateur numéro 1 d'Europe 1? Non. Bon, donc vous n'êtes pas... C'est une victoire ou c'est une défaite? Par rapport à ce que vous aviez comme rêve de vouloir être le patron d'Europe 1, vous faites partie des journalistes dans le truc, comme on fait tous partie de la société, on n'est pas forcément numéro 1. Donc je ne pense pas qu'on soit des losers, au contraire, on est des gens qui nous relevons, on continue à se battre, on repère, on continue. Les losers sont ceux qui ne se battent pas. Vous trouvez que c'est un film sur la violence de la société? Moi, je pense que c'est un film sur le fait d'avoir le droit d'exister sans être numéro un, encore une fois, et sans rentrer dans les conceptions de société qui vous obligent à être performant et à rentrer dans la foule, quoi. Il y a aussi d'autres personnages qui sont importants dans ce film, c'est ceux de votre famille, votre femme et vos deux filles, notamment la plus grande, qui est à la fois fière de vous et qui en même temps a du mal à accepter votre statut. On écoute un deuxième extrait. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux pas y aller. C'est à cause de la dernière fois? Non, ça je m'en fous. Bah alors, c'est quoi le problème? Quand les gens te regardent, ils sont contents que t'aies mal, tout ça. On s'en fout de ça! Et moi je m'en fous pas! T'es mon père, je veux pas... Quand les gens te regardent, ils sont contents que t'es mal. Ça aussi, c'est une phrase qui est forte et qui montre la violence des gens qui peuvent aller voir ce type de combat. Parce qu'effectivement, on le voit quand votre fille assiste à votre entraînement. C'est pas un film sur la boxe. C'est un film sur quand les gens te voient et ils sont contents que t'es mal. C'est la même chose. N'importe quel enfant pourrait dire ça à son père qui n'est pas respecté au travail ou qui a des problèmes dans sa vie. C'est pas un truc basé sur la boxe. C'est une allégorie, je pense. C'est aussi un film sur la passion qui passe avant tout. C'est sur le fait d'avoir le droit d'avoir une passion, même si on n'est pas,
on commence tous à chanter sous sa douche, et puis on a tous, on imagine tous de gagner des Oscars, on imagine tous de, d'être numéro un des charts, mais on ne l'est pas. Donc est-ce qu'on a le droit de continuer à chanter sous sa douche, ou est-ce qu'il faut s'arrêter parce qu'on n'est pas numéro un? Moi, je pense que avoir une passion n'oblige pas à avoir du talent, au contraire. Moins on a de talent, plus on est passionné, plus c'est beau, je trouve. Vous êtes identifié aussi, vous, en tant que cinéaste, en tant qu'acteur, en tant que réalisateur? Vous estimez que vous n'êtes pas numéro un? En tant qu'être humain, tu te poses toujours la question de où sont tes rêves, qu'est-ce que tu en as fait, comment tu as progressé dans ta vie. Est-ce que tu as été capable de faire des compromis pour arriver en haut de l'échelle, ou est-ce que tu as préféré rester toi-même et faire ton bonhomme de chemin? Là, c'est vous, typiquement, qui n'êtes pas un homme de compromis, a priori. Je ne suis pas un homme de compromis, non. Donc vous n'avez pas été capable de faire des compromis pour être numéro un, vous pensez? Quand les moments où il fallait, j'avais tous les signes pour être numéro un, je suis parti en courant, oui. Et pourquoi? C'est aussi une peur, quelque part? Parce que... non, c'est pas une peur, c'est un manque d'intérêt total de ce genre d'univers. Je veux pas être... L'écocentrisme des gens qui sont au top, c'est une volonté hein, d'être au top. C'est pas quelque chose qui vous arrive sur le... Il faut avoir des plans de carrière, il faut aller dîner avec des gens, il faut sourire à des gens, ça je sais pas faire. Dans le dossier de presse qui accompagne le film, vous expliquez que vous avez pensé à Jackie Chan et que vous préférez Jackie Chan à Bruce Lee. Cette phrase, j'ai trouvé assez drôle. Parce que Jackie Chan a fait... je préfère Bruce Lee à un niveau au symbole de ce qu'il a représenté, de ce qu'il dit, son intelligence, sa pureté, sa beauté. Mais Jackie Chan, cinématographiquement parlant, est beaucoup plus intéressant. Et puis, humainement parlant, c'est quelqu'un qui s'est investi dans ses films et qui s'est cassé tous les os du corps, juste pour nous amuser. Je trouve que, comme Buster Keaton, comme tous ces gens qui se sont fait mal pour nous faire rire, j'ai beaucoup d'admiration pour eux.